Iván Jablonka, bienvenido a la Argentina. Es un placer iniciar esta conversación con usted. Sabemos, porque así lo contó en alguno de sus libros, que no es su primera visita a nuestro país. ¿Tiene alguna impresión para compartir con nosotros? Ça fait plusieurs fois que je suis en Argentine et c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays qui compte pour moi, d'abord du point de vue de l'espace. Vous avez au nord l'Iguassu, au sud la Terre de Feu, d'un côté la mer, de l'autre la montagne, donc il y a tout en Argentine. Et puis c'est le pays de Borges et de Cortázar, c'est des auteurs qui ont compté pour moi, pour le lecteur, pour l'historien, pour l'écrivain que je suis. Et puis sur un plan plus personnel, l'Argentine, c'est aussi le pays de ma famille. Dans les années 30, mes grands-parents sont restés en France et ils ont trouvé la mort, alors que le frère et la sœur de mon grand-père sont venus en Argentine au début des années 30 et ils ont eu la vie sauve. Donc avant la guerre, l'Argentine, c'était un refuge. Après la guerre, sans doute que l'Argentine a accueilli non plus des victimes mais des bourreaux, et puis il y a eu la dictature. Mais enfin, la première partie du XXe siècle, voilà, je me souviens de l'Argentine de cette manière-là. Le pays qui, un des pays qui accueille les Juifs quand l'Europe est devenue un piège mortel. Si, sin duda, esta relación entre el interés intelectual que le plantea Borges o Cortázar y el interés personal de una familia que encontró refugio aquí, es un buen inicio para una conversación en la cual la memoria y la historia, el relato y los hechos se cruzan. Y a propósito de eso, yo creo que en su obra se observa la recurrencia de algunos pares, de algunos problemas que se presentan como pares dilemáticos. Historia y memoria, justamente, escritura científica y escritura literaria, dato e invención, conocimiento y evocación. Vemos también, si es que yo no me equivoco o no me equivoco demasiado, que usted intenta mostrarnos que no se trata de oposiciones o dicotomías, de o esto o aquello, sino más bien del modo en que los límites entre esto y aquello se difuminan, son tenues. Uno pensaría más bien que entre uno y otro de estos términos lo que hay son costuras y no cortes. Pour répondre à votre question, je dois parler de mon enfance. Donc je vous prie de m'excuser pour cette note un peu personnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes grands-parents paternels sont restés en France et ils ont été arrêtés par le régime de Vichy, envoyés à Auschwitz où ils ont été assassinés. Et le fait que j'ai perdu mes grands-parents, je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su et ça fait partie de mon enfance. En revanche, je ne me souviens pas que mon père m'ait jamais assis sur un fauteuil ou un canapé pour m'apprendre la terrible vérité. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'était plutôt des choses plus intuitives. Par exemple, mon père nous parlait beaucoup de son enfance dans les foyers juifs communistes, et donc je savais bien qu'il était orphelin. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère entre histoire et mémoire, et très tôt, en tant qu'enfant, j'ai été confronté à la mort, à la violence, et à la pire violence qui soit, le génocide. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué en tant qu'homme, mais aussi bien sûr en tant qu'historien, et je crois même que c'est pour ça que je suis devenu historien. Donc maintenant, voilà, vous comprenez mieux la dialectique qui existe pour moi entre mémoire et histoire. Mon père nous parlait jamais de manière pleurnicharde ou de manière colérique. C'était plutôt, mon père c'est un homme qui parle de manière assez rationnelle, et pour moi la mémoire a toujours été renvoyée à quelque chose de plus important qu'elle, c'est-à-dire la volonté de comprendre. C'est en fait l'histoire. Et donc j'ai toujours fait une espèce de lien
hiérarchique entre l'histoire et la mémoire, parce que pour moi, le plus important, c'est l'histoire. C'est le fait de comprendre, c'est le fait de poser des questions, c'est le fait de s'interroger sur le passé, de comprendre ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé. Et c'est pour ça que je suis devenu historien. Donc, la mémoire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de dynamique, mais la mémoire n'est rien sans l'histoire. Et quand j'étais au collège et au lycée, on nous parlait beaucoup de devoir de mémoire. C'est une expression qui m'a toujours mis mal à l'aise, parce que je ne vois pas au nom de quoi on me forcerait à me souvenir de quelque chose. D'autant plus qu'on parlait de mes grands-parents. Donc, au devoir de mémoire, je préfère la liberté de l'historien. Su respuesta abre una serie de interrogantes o quizás de precisiones sobre la propia historia argentina, una historia en la cual la reflexión sobre los usos de la memoria en la salida de la dictadura que diezmó este país en los años 70, la discusión sobre la memoria es una discusión que sigue muy intensamente entre nosotros, posiblemente, y esta es mi opinión, no muchos la comparten, pero posiblemente ha habido una política de abuso de memoria que, para ponerlo en relación con su perspectiva, restringió los límites de la libertad del historiador. Creo que son discusiones muy abiertas, en la medida en que esta historia tan reciente, esta historia tan dolorosa, no puede ser saldada con posturas definitivas o excluyentes. De todos modos, yo quisiera, si me permite, retomar un poco los problemas que yo veo que surgen de su obra, y particularmente lo que interpreto como un triple posicionamiento surgido de esta relación de pares dicotómicos de la que hablábamos antes. Un posicionamiento político, porque en mi opinión la construcción de su discurso relativiza y hace tambalear el poder de la autoridad del discurso del saber. Hay una política del saber presente en esto. Un posicionamiento epistemológico, porque cuestiona la taxonomía de las disciplinas que están presentes en nuestro horizonte intelectual y que organizan la producción intelectual en el occidente contemporáneo. Y por último, un horizonte estético, porque devuelve al lenguaje un poder que deriva de la imprecisión y no de la pretensión de exactitud, que devuelve al lenguaje el poder de nombrar, pero también de sugerir, de decir y de evocar, es decir, colocar al lenguaje en el centro de la construcción de un discurso intelectual. Vous avez évoqué une partie de l'histoire argentine et la dictature, et c'est quelque chose qui me touche. Au cœur de la deuxième moitié du XXe siècle, en Argentine, il y a un vide, un trou, et ce vide, ce sont les disparus. Et c'est une histoire dont je me sens proche, parce que le thème de l'absence, de la disparition, ça traverse tout mon travail et ça traverse aussi ma famille. Mes grands-parents, ce ne sont pas des disparus au sens que ce mot a en Argentine, mais je l'emploie quand même parce que ce sont des gens qui se sont volatilisés, qui sont des absents à tout jamais. Et c'est pour ça qu'il y a une problématique qui me touche autour de la dictature en Argentine, c'est que la dictature et le fait de tuer les gens, de les faire disparaître, de faire comme s'ils n'avaient pas existé, c'est quelque chose qui est au cœur de la violence d'État
et on le retrouve aussi dans plusieurs génocides au XXe siècle. Et ça, ça traverse mon travail d'historien et d'écrivain parce que l'absence est fondatrice dans ma famille. Et j'en viens à la question que vous posiez, qui est le lien entre le politique, l'éthique et l'esthétique. Je pense que tous ces aspects traversent l'histoire et cette littérature particulière que je fais. Il y a un aspect politique évident, parce que quand on s'intéresse aux absents, aux disparus, aux oubliés, aux silencieux, c'est déjà un acte de foi, c'est déjà un parti pris, c'est déjà l'idée qu'il y a des choses à dire sur ces gens-là, que leur disparition, leur absence, c'est pas normal, il y a quelque chose à dire, non pas pour combler le vide, mais pour cerner le vide, pour dire des mots autour du vide. Et c'est pourquoi moi j'ai pas recours à la fiction. La fiction, c'est comme de la terre pour combler un trou. Moi, le trou, je le conserve. J'essaye de mettre des mots autour du vide, autour de cette absence et autour de cette disparition. Donc il y a un aspect d'engagement, bien sûr, parce que on est tous les historiens, les écrivains, en tout cas moi, je me sens poussé par une espèce de colère. C'est pas une colère contre un tel ou un tel, c'est une colère contre l'oubli, contre le silence, contre la banalité. Et cette colère, c'est une forme d'engagement. En latin, ça s'appelle libido sciendi. En français, on peut dire aussi la flamme, quelque chose qui vous pousse à écrire. Il y a donc un aspect politique et éthique. L'éthique, elle est par le refus de laisser les morts mourir, de laisser les disparus disparaître à tout jamais. Et c'est pourquoi dans mon travail, tous ces aspects sont liés. Faire l'histoire des disparus ou faire l'histoire des absents, c'est aussi une réflexion sur la manière dont un écrivain peut s'investir corps et âme dans une enquête, pour rappeler que les morts font partie de notre vie. Il n'y a pas d'un côté les cimetières et de l'autre les villes et les rues et les cafés. On sait très bien que les fantômes, nos fantômes, sont avec nous et pour toujours. Detengámonos un poquito en esta obra, que es el centro de la preocupación por los ausentes, por los abuelos asesinados por los nazis. Esa obra que, como usted dice, no intenta llenar el vacío, es decir, no intenta reescribir las biografías de los que no están, sino entender el vacío, ponerle un límite, evitar que se derrame sobre el resto de los vivos. Es una obra de difícil clasificación. Es una obra, sin duda, de historia. También es una obra memorística. Es un ensayo. La hibridación, la mezcla de géneros, parece buscar empatía con el tema mismo de la obra, un tema que no es posible abordar con un solo discurso o con una sola herramienta cognitiva o de investigación. Hay allí una mezcla de curiosidad y angustia que es causada por el vacío que deja en la genealogía ese dato que es terrible, que es la sustracción de los antepasados. Pero la sustracción no por el peso de la biología, sino por el peso de la historia, una sustracción anticipada, es como quitar algo que debía estar aún después que uno, y sin lo cual uno no podría haber existido, y de hecho no pudo existir sin eso que fue sustraído. Pero si bien usted decía que no es literatura, hay un espíritu literario, del modo en el que hay un espíritu ensayístico en la obra de Sebald,
Hay un espíritu literario en la historia de los abuelos que no tuve. Hay un intento de reponer algo que por definición se escapa, que por definición fuga, que por definición es irrecuperable. Y a ese espíritu del escritor se mezcla el espíritu del historiador que quiere fijar, que no quiere admitir la desaparición. El historiador quiere poner datos, poner hechos, poner información, explicar a partir de eso. ¿Cómo coexisten estas dos pasiones tan contradictorias, la de restituir y la de aceptar el desvanecimiento? Votre question, ça revient un petit peu à me demander ce que je fais. Et c'est vrai, et c'est une question qui me touche. La réponse, c'est que je ne sais pas très bien. Et je crois qu'il faut assumer cette espèce d'incertitude, ce doute, parce que les sciences humaines et l'histoire en particulier, c'est aussi le domaine du doute. Et j'ai essayé, dans la biographie de mes grands-parents, de faire plusieurs choses à la fois. Mon livre, c'est un livre d'histoire, bien sûr. C'est deux juifs pris entre Staline et Hitler. Mon livre, c'est aussi un livre de sociologie, parce que j'essaye de comprendre la manière dont ils ont traversé plusieurs milieux sociaux. Mon livre, c'est aussi une enquête pour retrouver la trace de gens qui ont disparu des radars, qu'on ne voit plus. Mon livre, c'est un travail littéraire, hein, en reconnaissant la part de mystère qu'il y a chez les gens, leur part d'indétermination, leur poésie aussi. Mon livre, c'est peut-être aussi une enquête criminelle, parce qu'après tout, ils ont été assassinés à la fin, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Mon livre, c'est une biographie, parce que je raconte la vie de gens qui étaient des vivants comme vous et moi, comme nous tous, avec leur normalité, leurs amitiés, leurs amours, leurs projets, leurs succès, leurs échecs. Mes grands-parents, c'était aussi... mes grands-parents, ils n'étaient pas destinés à mourir à Auschwitz. C'était aussi des amoureux, des activistes communistes, des parents, des gens qui avaient leur vie. Et il y a donc un aspect profondément biographique dans mon travail. Je rappelle leur vie et non pas leur mort. Il y a sans doute aussi dans mon livre un aspect d'autobiographie, parce que je parle de moi en tant que petit-fils, bien sûr, mais aussi en tant qu'historien, en tant qu'enquêteur, en tant que je me suis lancé dans un projet, dans une recherche, dans tous les sens du terme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la fin ? Je ne sais pas, et je crois qu'il faut respecter un petit peu cette part d'indétermination qui fait que l'histoire, c'est aussi une littérature contemporaine. L'histoire, c'est une enquête, et l'histoire, c'est aussi la recherche sur des absents, mais aussi la recherche sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes. Donc, un livre, c'est toujours un miroir. C'est un miroir qu'on tend au passé, c'est un miroir qu'on tend au lecteur, c'est un miroir qu'on tend à soi-même. Et c'est aussi pour ça, je crois, que l'histoire, au moment où elle est elle-même, c'est-à-dire une science humaine, elle est aussi profondément littéraire. Elle respecte la part de souffrance qu'il y a dans toute histoire humaine. Elle respecte aussi la profonde force de vie qu'il y a dans tous les êtres humains, et en particulier dans ceux qui ont disparu. Usted nos lleva a una obra más teórica que la historia de los abuelos que no tuve, una obra que quizás es el fundamento teórico o la consecuencia teórica del libro sobre sus abuelos, que es la historia y es una literatura contemporánea. Allí hay un argumento muy fuerte en
favor de poner en relación literatura e historia, un argumento que organiza las articulaciones entre una y otra escritura, entre los modos en que se vuelven indistinguibles en cuanto se reconoce la racionalidad que subyace en ambos discursos. Pero me parece que la idea de literatura que está presente en ese texto, en La historia es una literatura contemporánea, es una idea de la literatura muy pegada a la idea de relato o narración, de algún modo soslaya las dimensiones de la literatura como un lenguaje que se articula a sí mismo y no que cuenta vidas ajenas. Quiero decir, uno puede pensar en una literatura radical, una literatura un poco menos decimonónica, por decirlo de algún modo, que no es una literatura que cuenta historias. ¿Cómo esta literatura, que es el lenguaje literario en su sentido más fuerte, cómo esta forma o esta idea de lo literario entra en relación con lo histórico? Vous posez une question magnifique et aussi une question difficile, donc c'est sans doute une bonne question. J'y répondrai en réfléchissant sur la définition même de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire que le littéraire, la qualité littéraire? Est-ce qu'on peut le définir? Tous les écrivains ont essayé de le définir, Sartre par exemple, et d'autres. Mon livre propose de considérer l'histoire comme une littérature contemporaine, non pas pour détruire l'histoire, non pas pour relâcher la méthode, non pas pour affaiblir le protocole scientifique, mais au contraire pour le renforcer, pour dire que l'histoire est d'autant plus scientifique qu'elle est littéraire, parce qu'elle assume sa part d'enquête, parce que l'enquêteur dit « je », et que l'enquêteur, c'est pas simplement un professeur d'université, c'est aussi un homme, un petit-fils, un père de famille, un citoyen, quelqu'un qui ressent des choses, quelqu'un qui se pose les questions de son temps. Une enquête, c'est aussi un va-et-vient entre l'histoire, le passé, le présent. Trop souvent, on pense que l'histoire se conjugue au passé. Mais c'est pas vrai. Un historien, c'est quelqu'un qui vit ici et maintenant, c'est un vivant. Un historien, c'est quelqu'un qui se pose des questions de son temps. Un historien, c'est quelqu'un qui a aussi sa vie personnelle. Un historien, c'est aussi quelqu'un qui recherche des traces du passé, et ces traces, elles existent. Ce sont des monuments, ce sont des archives, ce sont des témoins, ce sont des gens qui existent, ou des choses qui ont surnagé, qui ont survécu. Donc, tous ces outils, la trace, l'enquête, le jeu, tous ces outils, ce sont des liens entre le caractère d'enquête de l'histoire et son caractère aussi profondément littéraire. Je pense qu'ils font le lien entre la dimension scientifique rigoureuse de l'histoire et sa dimension littéraire, sensible, ouverte à la... ouverte à la polyvalence, à la profondeur, à l'indétermination du monde. Maintenant, la question, ou plutôt l'objection, est de dire que l'histoire est une littérature contemporaine, c'est une manière de l'affaiblir. Par exemple, en disant que l'histoire est fiction, ou en disant que l'histoire n'est qu'un simple récit. Et à cette objection, je veux dire que la littérature, c'est plein d'autres choses. La littérature, c'est pas nécessairement la fiction. La littérature, c'est pas nécessairement le récit. Alors qu'est-ce que la littérature? On ne peut pas répondre, ou du moins on aurait besoin de plusieurs vies pour répondre. Mais on peut répondre par des mots, par des intuitions, par des pistes. La littérature, par exemple, c'est le travail sur la langue. C'est aussi la construction narrative. La littérature, c'est un certain rythme, une certaine atmosphère, une certaine manière de raconter, une certaine manière aussi de respecter la part de mystère des gens. La littérature, c'est aussi la recherche
du vrai, de choses vraies. Et vous voyez que je multiplie les réponses et je n'ai pas prononcé le mot de fiction. Donc on peut parfaitement imaginer une littérature qui ne soit pas fictionnelle. Et là, je peux renvoyer à de prestigieux prédécesseurs. Rousseau, Montaigne, et puis plus proche de nous au XXe siècle, Primo Levi, Solzhenitsyn, deux prix Nobel de littérature, Patrick Modiano et Svetlana Alexievitch. Aucun de ces écrivains ne font de la fiction. Donc on peut, je crois, rappeler que l'histoire est une littérature particulière, une littérature du réel, une littérature qui essaye désespérément de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé. Et c'est pourquoi on peut rappeler que l'histoire est une littérature sans jamais affaiblir sa rigueur, sa force d'explication. Donc pour moi, quand je dis que l'histoire est une littérature contemporaine, je ne veux pas dire que c'est un roman. Je veux dire simplement que la littérature et l'histoire permettent de comprendre le monde à travers une enquête. Donc l'histoire, moi, pour moi, je la ramène plutôt du côté de l'enquête, du côté de la non-fiction, du côté du journalisme, du côté de la littérature de voyage, du côté de la biographie, c'est-à-dire tous ces écrits qui permettent de comprendre le monde à travers une enquête. Alors dans ces cas-là, oui, l'histoire a vraiment sa place dans la littérature. De algún modo, sin embargo, si esta vocación de ser a la vez historiador y escritor, no por hacer ficción, no por hacer novela, sino por interrogar el mundo con la perspectiva del escritor y no solamente del académico o del científico, no entra de algún modo en competencia con el lector. Quiero decir, de algún modo los lectores somos los que deberíamos poder beber en distintas fuentes, beber de distintas aguas, beber en el agua de la literatura que nos da una comprensión del mundo distinta que la comprensión que nos da la historia, distinta de la comprensión que nos da la biología o la física, que también son modos de entender, de interrogar y de entender y de explicar el mundo. Por supuesto, no quiero con esto sugerir que alguien no debe hacer nada más que dedicarse a una disciplina, pero me pregunto de qué modo evitamos una propensión al relativismo cuando insistimos en la dimensión literaria de la investigación histórica. Mais je crois que vous avez tort, je crois, d'opposer la capacité littéraire de l'histoire à sa rigueur, à sa force explicative. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Parce que quand je mène une enquête littéraire, c'est aussi pour renforcer le protocole scientifique de l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait une opposition. Quand j'ai écrit mon livre « L'histoire est une littérature contemporaine », je craignais justement qu'on me fasse cette objection en me disant « Vous êtes en train d'affaiblir l'histoire, de la fictionnaliser ». Et c'est pourquoi j'ai rajouté comme sous-titre « Manifeste pour les sciences sociales ». Mon livre, c'est un manifeste pour les sciences sociales. Mon livre rappelle que l'histoire est une science sociale avec d'autres et que sa vocation, sa raison d'être, c'est de dire du vrai sur notre monde, passé ou présent. Comment on dit du vrai? On ne dit pas du vrai en ouvrant sa fenêtre et en regardant quel temps il fait. On dit du vrai en menant une enquête, en définissant un problème, en prenant de la distance vis-à-vis de ce problème, en collectant des sources, des archives, en rencontrant des gens, ensuite en essayant de comparer les sources, les problèmes, ensuite en faisant une démonstration, en apportant la preuve de quelque chose. Et tout cela, ça fait partie de l'enquête. Et moi, pour renforcer cette enquête, j'apporte
le « je », j'apporte la réflexion sur l'inscription temporelle de l'enquête, ce que j'ai appelé le va-et-vient entre le présent et les passés. C'est une réflexion aussi sur la place de l'enquêteur. C'est une réflexion aussi sur ce que j'ai appelé les fictions de méthode, c'est-à-dire le fait qu'il y a des hypothèses, des procédés d'anachronisme qui permettent de mieux comprendre le réel. Les fictions de méthode, c'est une manière de s'éloigner du réel pour mieux y revenir. Par exemple, je ne donne qu'un seul exemple. Parler des intellectuels au Moyen-Âge. On sait bien que les intellectuels, c'est une notion très, très, très contemporaine. Pourtant, on peut évidemment parler des intellectuels au Moyen-Âge. Donc, vous voyez que ici, cet anachronisme, il n'est pas naïf. C'est un anachronisme qui permet au contraire de mieux penser le Moyen-Âge. Tout ça pour dire que la manière dont j'incarne mon enquête dans un texte, c'est pour approfondir la rigueur, la scientificité de l'histoire. Une autre question que vous posez, c'est celle de la place de l'histoire et des sciences humaines dans la cité, dans nos sociétés. J'écris en tant qu'historien, j'écris en tant qu'écrivain, mais j'écris aussi un petit peu en tant qu'intellectuel. Je ne le dis pas par fierté, parce que je n'en tire aucune fierté, mais je le dis ici plutôt en rappelant que on a une place dans la cité. On a la chance, nous, d'avoir accès à la parole publique. On a cette chance. On fait des livres, on tourne dans des émissions de télé. C'est une grande chance. Maintenant, cette chance suppose aussi des devoirs. Et les devoirs, c'est de parler à un public. Il y a des gens qui nous regardent et ce qu'on leur doit, c'est d'être clair, c'est d'être pédagogique, c'est de dire des choses qui les intéressent, qui les touchent. Donc, rien n'est pire qu'un historien ou un sociologue enfermé dans leur jargon, enfermé dans leur illisibilité. Ça, c'est une manière de tromper les gens, de leur dire « je suis tellement intelligent que vous ne pouvez pas me comprendre ». Et moi, je n'ai pas cette conception aristocratique ni de l'histoire, ni des sciences humaines. Donc, quand je dis que l'histoire est une littérature, c'est aussi pour rappeler cette dimension profondément démocratique. La littérature, c'est quelque chose qui doit être compréhensible, qui doit être appropriable. Et je le dis en tant que, je le dis individuellement pour les livres que j'écris, mais aussi collectivement, parce que je travaille dans une maison d'édition, parce que je travaille dans un site internet, parce que je fais partie de ce grand collectif que sont les sciences humaines. Donc, dire que l'histoire et les sciences humaines, c'est une littérature, ça veut rappeler que nos livres doivent se lire comme un roman. Ça ne veut pas dire que nous faisons des romans. Ça veut dire que nos livres doivent être lus par, je dis même pas le grand public, je dis tout simplement le public. Des gens qui vont être intéressés par ce que nous faisons et qui sont là pour apprendre des choses. Des gens à qui on peut apporter notre petit domaine de compétences, la force de nos questions. Et c'est pourquoi, quand je dis l'histoire est une littérature contemporaine, il y a la dimension proprement littéraire, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi la dimension démocratique. Moi, je fais des sciences humaines parce que je pense qu'elles sont indispensables à la vie de nos démocraties. En Argentine, il y a eu une dictature. C'était une époque où dire la vérité, c'était une question de vie et bien souvent de mort. Un journaliste pouvait se faire tuer, un historien pouvait être menacé. Parce qu'il y a des moments dans un pays où dire des choses vraies, c'est dangereux. Aujourd'hui, en Argentine, en France, on a cette chance de pouvoir avoir cette liberté de dire des choses vraies. Mais ça reste quelque chose qui est indispensable à la démocratie. Et les sciences humaines, soit elles restent dans l'hyperspécialisation universitaire et elles risquent d'être un jour enfermées dans leur illisibilité, elles risquent un jour de ne plus avoir aucun étudiant et aucun lecteur, soit elles deviennent littérature sans renoncer à leur force explicative, sans renoncer à leur méthode, elles deviennent littérature et elles retrouvent leur place dans la démocratie.
Y ahora le voy a pedir que nos cuente un poco más de este último libro que es reciente en Francia y que al parecer podría ser objeto de numerosos premios literarios por lo demás. Pero se trata una vez más de restituir al desaparecido, al ausente, al... sin embargo, en este caso, lo que sí hace es reconstruir la vida de la víctima, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la historia esta? Mon dernier livre parle d'un fait divers qui a eu lieu en France en 2011. C'est une jeune femme de 18 ans qui s'appelait Laetitia et qui a été tuée, qui a été massacrée. Et j'ai voulu m'intéresser à ce fait divers parce qu'il est très révélateur de la société française et de nos sociétés au sens large. En particulier parce que ce fait divers est devenu une affaire d'État. Le président de la République en a parlé, tous les médias s'en sont emparés, les magistrats se sont mis en grève parce que le président de la République les avait attaqués en les accusant d'avoir lâché un monstre dans la nature. Donc pour moi, historien, il y avait un objet fascinant. Et vous voyez que, en tant qu'historien, je parle du contemporain, ça me fait pas peur, j'en ai pas honte, et je vois pas où est le problème. Pourquoi ? Parce que l'histoire, encore une fois, c'est une qualité de raisonnement. C'est une enquête. L'histoire, c'est pas simplement le passé, c'est une qualité de raisonnement. Et donc, pour travailler sur ce fait divers, j'ai posé un certain nombre de questions que seul un historien et un sociologue pouvaient aborder. Mais ce qui m'a le plus... Quelles questions ? Une des questions, c'est peut-être même la seule, c'est comment une jeune fille de 18 ans a-t-elle été massacrée ? Un fait divers, c'est pas une anecdote. Un fait divers, c'est un fait social total où toute la société se reflète. Ce fait divers, le fait divers dans lequel Laetitia a été massacrée, c'est un féminicide. Et hélas, dans votre société, vous savez ce que c'est qu'un féminicide. Un féminicide, c'est pas une anecdote. C'est pas simplement un entrefilet qu'on regarde d'un œil distrait. C'est un fait social. C'est un fait qui engage toute notre société. La vulnérabilité des enfants, les violences séculaires subies par les femmes, l'espèce de tolérance diffuse qui pendant des années a entouré ces violences. Et j'ai voulu donc parler de ce fait divers, non pas de manière anecdotique, mais pour raconter ce que ce fait divers nous disait de notre société. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que j'ai voulu raconter la vie de Laetitia. J'ai voulu inverser la perspective habituelle. La perspective habituelle, c'est de raconter la mort, de raconter le crime, de raconter le viol, le massacre, les choses horribles dont on n'a pas envie de parler. Mon idée, ça a été au contraire de raconter sa vie, de faire une biographie, pour que Laetitia ne compte pas simplement pour sa mort, mais aussi pour sa vie. Et on sait très bien que dans le cas de féminicide, les victimes, elles sont là pour ça, malheureusement. Elles sont là pour ça, pour avoir été violées, tuées, massacrées, que sais-je encore. Moi, j'ai voulu rappeler que Laetitia, comme mes grands-parents, dans un autre contexte, elle a été une jeune femme, d'abord un bébé, ensuite une gamine, une ado, une jeune femme qui devenait une femme indépendante. Et pour lui rendre sa dignité, pour qu'elle soit un être humain et non pas simplement un cadavre, j'ai voulu raconter toute sa vie. Et je pense que c'est une manière d'arracher la victime au crime. Non pas pour la faire renaître, non pas pour la ressusciter, ça n'a pas de sens, mais pour rappeler qu'elle a sa dignité en tant qu'être humain et pas simplement pour avoir été massacrée, pour avoir été comme nous, une vivante. Et l'objet de mon livre, c'est ça. Raconter la vie de celle qui est devenue, non pas tant une victime, qu'une absente à tout jamais. Tanto en el caso de sus abuelos como en el caso de Laetitia, podemos atribuir una pretensión de ejemplaridad a la investigación. Es decir, es una invitación a que todos los desaparecidos o todas las víctimas sean vistos desde el lado de sus vidas y no solo desde el lado de sus muertes. Quiero decir, hay en estas dos obras
no solo el trabajo sobre sus víctimas, las suyas por familia, las suyas por preocupación intelectual, las suyas por ser parte de la sociedad francesa contemporánea en la que esto ocurre, sino también las nuestras, las de los otros, las de aquellos que deben ser todavía restituidos en su dignidad interrumpida de seres humanos. Le mot victime est pas un mot que j'utilise, parce que dire victime, c'est toujours renvoyer quelqu'un à sa mort. Et puis aujourd'hui, tout particulièrement en Europe, le terme de victime est en train de devenir un peu galvaudé. Tout le monde est victime. Même les terroristes maintenant, vous comprenez? Même les terroristes, ils ont eu une enfance malheureuse, alors ils ont pris une Kalachnikov, ils ont assassiné des gens à une terrasse de café. Et donc ce terme de victime qu'on donne un petit peu comme ça à beaucoup de gens devient un peu pénible. Les vraies victimes, ceux qui ont été assassinés, les innocents qui ont été massacrés, les vraies victimes, les disparus, ce sont bien sûr des victimes, mais ce sont avant tout des êtres humains, des gens qui avaient leur vie, qui étaient désespérément vivants, qui aimaient la vie. Et Laetitia ou mes grands-parents ou des gens qui ont disparu pendant les dictatures, pendant l'opération Condor, je ne suis pas sûr qu'ils auraient voulu qu'on parle d'eux comme des victimes. Bien sûr que ce sont des victimes, les victimes les plus démunies, les plus nues du XXe siècle. Mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient aimé qu'on dise d'eux que c'était des victimes, précisément parce que c'était des gens d'un très grand courage, parce que c'était des gens, c'était déjà des résistants. Et les résistants, ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux comme si c'était des petites choses, des petites victimes. Moi, je veux parler d'eux, non pas en tant que résistants, parce que je ne veux pas non plus les glorifier, mais des gens qui avaient une force de vie telle qu'ils deviennent un petit peu des héros de leur propre vie, non pas des héros de romans, mais des héros de leur propre vie, des gens qui ont été au-delà de leur propre vie. Mes grands-parents, ils ont été au-delà de leur propre vie par leur force morale, le fait qu'ils ont traversé des dictatures, le fait qu'ils ont échappé à des rafles antisémites dans la France des années 1940. Et il y a de très nombreux écrivains ou chanteurs ou activistes politiques dans toute l'Amérique latine, dans les années 70 ou dans les années 80, qui avaient une force de vie telle qu'ils sont devenus des disparus ou des victimes ou des gens qui ont été assassinés. Mais je crois qu'ils auraient voulu qu'on parle d'eux comme des vivants. Muchas gracias, Iván, por este magnífico diálogo transatlántico. Creo que es muy importante que podamos tener estas conversaciones. Estas conversaciones sobre temas cruciales, la memoria, el olvido, la verdad, la importancia de la conversación pública para reforzar nuestras democracias tan amenazadas. Me alegra que su obra esté cada vez más presente en nuestro idioma para los lectores hispanoparlantes. Creo que no podemos más que celebrar los esfuerzos que se han hecho para que haya una comunicación fluida entre el mundo francés y el mundo argentino. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias.